Rien n'a été pareil après ça. Et on a fini par devenir des explorateurs, des aventuriers. Et plus exactement des voleurs. Ok, mais arrête de bouger. Et pendant un moment, j'avais l'impression que... les seules fois où on n'allait pas en prison l'un après l'autre, c'est les fois où on y était en même temps. Alors, quand je l'ai perdu, je voulais... ou plutôt quand j'ai cru que je l'avais perdu. Tu voulais pas faire ressurgir ce souvenir. C'est à peu près ça. Je t'ai tout dit. Tu sais tout maintenant. Te connaissant, ça m'étonnerait que je sache vraiment tout. Mais... merci quand même. Dis-moi ce qui te trotte dans la tête. Je me dis que t'as vraiment eu de la chance que je t'ai trouvé quand je t'ai trouvé. Ouais. Je suis bien contente que tu sois juste un peu amoché. Sinon, j'aurais vraiment galéré pour te sortir de là. Mais comment t'as fait pour... comment tu m'as trouvé? Oh, c'était facile. J'ai eu qu'à chercher d'où venaient les coups de feu. Non, je veux dire, comment... t'es arrivé là? Ah. Bien sûr. Tu me reçois, Sully? Salut, ma belle. Comment il va? Oh, tout va bien. Il est un peu assommé, mais il est vivant, comme à chaque fois. Maintenant, va falloir aller chercher le deuxième Drake. Qu'est-ce que tu veux dire? Nate va te raconter. Salut, vieux. Content que tu sois là. Oh, je voulais pas rater ça. Il est où, Sam? Rafe l'a emmené. Merde, tu sais où ils sont? Oui. Je sais qu'ils se dirigeaient vers le nord de l'île. Essaie de trouver un endroit où te poser dans ce coin-là. Une fois qu'on aura Sam, faudra qu'on puisse se tirer d'ici en vitesse. Bien sûr. Hé, qu'est-ce qu'on fait du trésor? Laisse tomber. Trop compliqué. Mais Alcazar... non, en réalité, il n'y a aucun Alcazar. C'était des conneries. Attends, tu veux dire que... la dette, le... l'évasion? Oui, ça m'a tout inventé. C'est qu'un sale enfoiré. Bon, je te raconterai tout ça en détail quand on se retrouvera, d'accord? Ouais, j'ai hâte. Allez, faites pas de conneries. Tu nous connais. Pour toi. Merci. De rien. Non, je veux dire... merci de m'avoir sauvé. À nouveau. J'ai failli pas réussir cette fois. Je sais. On décolle? J'ai trouvé un véhicule. On se dirige vers le nord de l'île, si je comprends bien? À New Devon, le berceau des fondateurs de Libertalia. Et c'est à cet endroit que Rafe se rend avec ton frère. Le trésor doit se trouver là. Il faut juste qu'on sauve Sam avant qu'il mette la main dessus. Regarde. T'as vu là-haut?
Je l'ai emprunté à tes petits copains de Shoreline. T'as glissé tout le long depuis là-haut? C'était plus rapide pour te rejoindre. Et maintenant, faut juste trouver un moyen de remonter. Nate, tu m'aides à monter sur l'échelle? Bien sûr. Tiens. Alors, ça fait combien de temps que t'es arrivé? Nous sur l'île? Ça fait quelques heures. Et t'as vu la colonie? Je l'ai vu, du ciel. Impressionnant, pas vrai? C'est pas comme si j'avais fait le tour complet. J'étais légèrement occupée à te chercher, si tu veux savoir. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que celui t'a mis au parfum sur cet endroit? Oui. Il m'a parlé d'Henri Avry, de 400 millions, de 12 fondateurs, de centaines de colons. J'oublie peut-être quelque chose, d'ailleurs. Non, t'as fait à peu près le tour. J'avais du temps à tuer pendant le vol. Je rêve ou c'est un ascenseur? Ça y ressemble en tout cas. Franchement, Avry avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Il devait l'utiliser pour transporter les ressources sur la rivière. Ouais, ça coule de source. T'es arrivé? Oui, sur l'île. Ça fait quelques heures. Et t'as vu la colonie? Je l'ai vu, du ciel. Impressionnant, pas vrai? C'est pas comme si j'avais fait le tour complet. J'étais légèrement occupée à te chercher. Ouais, c'est vrai. Waouh! Je rêve ou c'est un ascenseur? Ça y ressemble, en tout cas. Franchement, Avry avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Il devait l'utiliser pour transporter les ressources sur la rivière. Ouais, ça coule de source. Voilà ta voiture. Il ne reste qu'à monter là-haut. Bon alors, on passe par où? Allons voir ça de plus près. Il doit bien y avoir un moyen.
T'as rafraîchi? Tiens, je peux te faire la courte échelle ici. Génial. Vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ouais. Hé, j'ai trouvé quelque chose. Attends. Merci. Gazelle. Ah, t'as vu comme j'assure. Super idée de traiter comme ça une fille aussi géniale. Crétin. Ok, je te rejoins tout de suite. Je vais bien. Je crois. Je contrôle la situation. Faut que tu essaies de remonter vers moi. Ouais. Ok, compris. Mais viens voir. Nate, tu vois un moyen de t'en sortir? Je crois que c'est un cul-de-sac. Bah, peut-être que l'ascenseur fonctionne toujours. J'en doute. Il a quand même 300 ans. Il a subi des intempéries. Je sais même pas s'il a jamais... Viens, il marche. Facilement en prenant de la hauteur. C'est vrai. Bonne idée. Le système est alimenté par la roue hydraulique là-bas. C'est quand même une sacrée prouesse pour une bande de pirates. J'aurais voulu que tu vois ce qu'il avait construit en Écosse. C'était tout simplement... Attends, t'es en train de me dire que t'es allé en Écosse ? Oui. Tu sais, le dernier endroit où Avery avait été... Relax, détends-toi. Sully m'a déjà tout raconté. Ah. Ok. Ah.
Au moins, je t'ai pas... Tu sais, je t'ai pas menti cette fois. Bon, on va enfin faire un peu d'exercice au moins. À vrai dire, c'est leur voiture. Et alors, on va leur reprendre. Après quoi, elle est avec Greg ? Les hommes nous disent qu'ils sont devant la ville. La fête commence ! Restez en alerte, messieurs. Oh! J'ai vu quelque chose. Fais attention, vieux. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je crois qu'il n'y a plus rien à voir ici.
bien me grimper en voiture et prendre le large. Ça vaut le coup d'essayer. C'est fini. Les types de Shoreline méritent leur réputation. Filons d'ici avant que les renforts ne se pointent. Tu vois une sortie ? En amont. J'ai repéré un passage près de la cascade. Regarde cet ascenseur. Il est énorme. J'imagine que New Devon se trouve là-haut. Alors il faut qu'on monte. Bon, alors j'ai une question. Et pourquoi est-ce que Rafe Adler court après le président d'Adler ? C'est pas comme s'il avait besoin d'argent. C'est après la gloire qu'il court. Il ne peut pas qu'on le voit comme quelqu'un qui voit sa richesse qu'à son héritage. Laisser tomber ne fait pas partie de ses options. Shoreline se sont bien trouvés. Lui, il a besoin de leurs muscles et eux, de son argent. Tu crois ? Ils m'ont pourtant l'air d'avoir ce qu'il faut. Ah, désolé, je reviens tout de suite. Quoi ? T'as vu quelque chose ? Et te revoilà. Écoute. Oui. Alors, Shoreline a été impliqué dans quelques guerres civiles qui n'ont pas tourné. Nadine a hérité des galères de son père. Elle pense probablement que tout ça va la remettre dans la course. Écrire un super article sur tout ça. Oui, je pourrais. Mais je pense que personne ne me croirait. Tu pourrais aussi prendre mes photos. J'ai pas apporté mon appareil. Je le regrette bien. À ton avis, pourquoi Sam n'est pas venu te voir directement après ce coup de feu ? J'imagine qu'il voulait récupérer tous les indices que Rafe avait sur Adler avant de lâcher. En plus, il lui fallait un peu de temps pour raconter cette histoire avec Alcazar. Seulement, j'avais creusé un peu. Cet engin est quand même incroyable. Il a l'air assez grand pour y mettre la voiture. J'espère qu'il fonctionne aussi bien que l'autre.
qu'on trouve une solution. Bien sûr que non. Ça aurait été trop facile. Apparemment, la roue hydraulique marche toujours. Bon alors, soit on répare ce truc, soit on grimpe. Voyons ce qu'on fait. Voilà. Reste à l'écart, je m'en occupe. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? On dirait que je peux grimper maintenant. Merci. Thank you.
Ok. Voilà. Rien. Je vais grimper plus haut. Il faudrait un ascenseur pour réparer cet ascenseur. Elle est trop forte. Et allez détacher le treuil maintenant. Ok. Bonne idée. Et voilà. Thank you.
De merde. Est-ce que ça va, Nate? Ouais. Bah alors, tu viens? Tu conduis. T'es sûr? T'as l'air de pas mal t'en sortir. Après tout ça, j'aurais bien besoin d'une pause. T'as bien mérité. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Toute cette technologie est faite à chier. Ça doit coûter cher. Et si ça se trouve, il reste plus rien du trésor. On s'est fait la même réflexion. Bien sûr, j'imagine qu'il faut traverser ces rapides. T'as des gilets de sauvetage avec toi? Le courant est trop fort.
Ah, voilà. Voilà, j'ai repris le contrôle. On y est presque. J'aurais pas apporté quelques vêtements de rechange par hasard? Si, si. Super. Ils sont dans l'avion? Pas super. Ce barrage, on peut passer par la porte d'écluse. Voilà pour la première. Nate, mauvaise nouvelle, c'est bloqué. Ok, alors je vais essayer l'autre. Ah, j'aurais dû m'en douter. Et derrière la porte numéro 2. Celle-ci est ouverte. Beau travail. C'est bon. Moins loin. Il va nous falloir plus d'élan. Faire un détour. Hey, on peut peut-être monter par là? Bien vu. Regarde ça! Accroche-toi! On a réussi! On dirait que ça te surprend! Peut-être pas peu! Accroche-toi! Et hop là! Ah.
me demande qui vivait là. Ah, c'était certainement le type qui gardait l'ascenseur. Tu crois qu'il y avait un type qui gardait l'ascenseur? Je crois que ces types savaient qu'un gros truc se préparait. Jusqu'ici, je dirais 2 sur 2. Ouais, c'est bien le problème, ça veut dire que la chance va tourner. La roue hydraulique fonctionne, ça s'annonce bien. Hey, tu veux bien m'aider? Va chercher la voiture. C'est lourd, ce truc. Ok. Quand faut y aller. Les talents d'ingénieur de ces pirates sont remarquables. Waouh. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, Libertalia. Je tire. Je me
veux savoir pourquoi t'as changé d'avis. Hmm? On m'a dit que... t'avais failli pas revenir. Ben, je pouvais quand même pas tourner les talons en te laissant dans un pétrin pareil. Puis je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Tiens, tu veux bien me donner un coup de main? J'arrive. Super. En fait, même si tu penses agir dans le but de me protéger, en aucun cas ça te donne le droit de me garder en retard. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution. Tous les deux. En équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Tu sais quoi? Il faut qu'on reste concentré. On reparlera de tout ça plus tard. Prochain arrêt, New Level. Bah tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Ouais. Il faut avancer. Ouais.
Merci. Ben, au moins, on est du bon côté de la rivière. C'est sûr. Ça aurait compliqué les choses. Oula. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus? Non, j'ai pas l'impression. Regarde comment ils sont disposés. Ouais, t'as raison. Ils sont empilés ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Bonjour. Qui ça peut bien être? Ben, regarde le panneau. Traître. L'un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. En voilà un deuxième. Quel respect. Encore des gibets. C'est une façon comme une autre de mater une rébellion. Je me demande si c'était ça le plan. Quoi? D'assassiner tous les colons? Non. De les attirer ici en leur promettant monts et merveilles. Pour ensuite pouvoir leur voler tout ce qu'ils avaient. Bah, tu sais, c'était quand même des pirates, hein? Ouais, mais... même pour des pirates, c'est quand même le summum de la cruauté.